Et je suppose que vous pensez que c'est poli de voler les vêtements des autres? Je n'ai rien volé. Mademoiselle Ventura, Monsieur Beckstrom vient de passer une demi-heure à tenter de convaincre Mademoiselle Lane de ne pas porter plainte. Je vous suggère d'en dire aussi peu que possible. Nous avons tout sur vidéo. Tout a-t-il été rendu? Oui. Oh, Chris, je suis vraiment désolée d'interrompre vos activités, mais nous pensions qu'il fallait que vous sachiez le plus vite possible... Que je sache quoi? Que la femme que vous pensiez être une cliente de cet hôtel n'est que femme de chambre dans cet hôtel. N'est-ce pas, Marisa? Non, attendez, elle s'appelle Caroline. Non, Chris, chérie, ça c'est mon nom. Elle vole les vêtements, les identités... C'est une histoire, je ne comprends pas. Pourquoi portes-tu cette tenue? Caroline? Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai. Oh, nom d'un chien. La presse va s'en donner à cœur joie sur ce coup-là. Il n'y a pas de raison d'informer la presse. Et comment empêcherez-vous cette femme de parler? Ça ne serait jamais arrivé aux Four Seasons. Et je peux vous certifier que cela n'était encore jamais arrivé ici. Lionel, attention, vous baissez. Vous auriez dû remarquer quelque chose. Vous me décevez. Je vous en prie, Monsieur Beckstrom, il n'a rien à voir là-dedans. Bien sûr, monsieur. Je comprends. Nous en reparlerons plus tard. Mademoiselle Ventura, vous ne travaillez plus ici. Remettez vos passes et votre badge à la sécurité et ils vous escorteront jusqu'à la sortie. Oui. Est-ce vraiment nécessaire? Chris, laisse-le faire son boulot, tu veux? Oh, Chris! Oh, Chris! Je ne peux m'empêcher de me dire que c'est en partie ma faute. Pas du tout. Ne culpabilisez pas. Eh bien, au moins, laissez-moi vous inviter à déjeuner. Après tout, chacun de nous n'a que l'autre pour traverser cette humiliation. Caroline, le premier déjeuner était une erreur. Un deuxième serait une torture absolue. Disons un verre? Il me faut votre insigne, votre passe et votre badge. Je suis désolée, Marissa, mais je dois le faire. Je comprends. Oh non, ne me dites pas qu'ils vous ont envoyé aussi? Non. En fait, j'ai pris une décision il y a quelques instants que j'aurais dû prendre plus tôt. Vous démissionnez? Nous sommes parfois poussés à faire quelque chose que nous aurions dû faire depuis longtemps. Merci. Merci, Keith. Au revoir. Servir les gens demande de la dignité et de l'intelligence. Mais ne l'oubliez pas, ce ne sont que les gens qui ont de l'argent. Et bien que nous les servions, nous ne sommes pas leurs serviteurs. Ce que nous faisons, Mademoiselle Ventura, ne définit pas ce que nous sommes. Ce qui nous définit, c'est notre capacité à nous relever après être tombés. Je suis sûr que vous ferez une merveilleuse gouvernante un jour prochain. C'est un grand honneur pour moi d'avoir travaillé avec vous.